One step beyond. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. One step beyond. PPD. Moi, c'est qui, Philippe, ce soir? Catherine Lara. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une femme formidable, hein? Elle vient de sortir un nouveau disque. C'est une violoniste remarquable. Ah oui, un peu comme moi. Ah bon? Vous jouez du violon, vous, Philippe? Je débute, mais je me débrouille déjà pas mal, hein? Écoutez, PPD. Alors, PPD, vous avez reconnu l'air que je viens de jouer? C'est-à-dire que le style est très personnel, alors bon, c'est pas évident de trouver du premier coup. Je vais le jouer devant Catherine Lara. Je suis sûr qu'elle va trouver, elle. Elle a l'oreille musicale, hein? Eh oui, malheureusement. Il y a plein de souvenirs qui galopent dans ma tête. Ça fait du bien. Y'avait les chars, la torture des canons de 12. On était bien. On tirait le scud. Ça dure pas longtemps. Et le patriote hurlant va tout lui faire péter. On les a bien baisés. Un jour ou l'autre, fallait leur mettre sur la gueule. On le savait bien. Saddam Hussein nous a pris pour des PD. Nous a fait chier. Tant pis pour le scud. Fallait pas faire chier. Millions d'années, fallait pas faire chier. T'en as pas marre, Gildas, de faire ton émission à ton âge? On se repose, Gildas. Alors là, ça m'étonnerait, il y en a d'autres qui... Mais non, les tapettes, t'en as jamais marre. Hein, hâte une tapette. Il y a des moments... Prends ta retraite, Gildas. Je leur montrerai, moi. Stop! Et vous vous rendez compte, un petit bonhomme comme moi, hein? Ça fait combien de temps que je fais de la télé, hein? Et puis encore des petits cons pour m'emmerder. Alors des fois, j'ai envie de... Danse, danse, la gymnase. Formidable! Danse, danse, la gymnase. Et combien de jours de tournage? Combien de disques vous avez vendus? Vous vous rendez compte, hein? Oui, mais là, on va pas avoir le temps. Formidable. Des fois, j'ai envie de... Danse, danse, la gymnase. Formidable. Danse, danse, la gymnase. Tout en fait, Philippe. Danse, danse, la gymnase. Formidable. Danse, danse, la formidable. La 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 la, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt, dibi 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 dibi, avec toi, dibi 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 dibi. Ok, le nanar. À droite, à gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. Houha! C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine à nanar, d'apporter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter, avec rien dans les gobelets.
filles à nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. OMPS, MRG, sport fait l'hiver et télé. C'est la combine à nanar, avoir sa trombine dans le canard. C'est l'entreprise à nanar, fabriquer que du nanar. Après les filles à nanar, après les pompes à nanar, la coupe d'Europe à nanar. C'est qui, Philippe, ce soir? Eddie Mitchell. Mais pourquoi, Philippe, pourquoi? Ben, parce que c'est un type formidable, hein, un grand chanteur. C'est curieux, Philippe. À Canal, on a fait un reportage sur Eddie, Eddie la story, une nuit sur les 50 ans de Johnny, mais c'est à croire que la direction est très rock. Vous croyez que c'est un comportement normal pour un directeur des programmes, Philippe? Bah, et encore, là, il s'est calmé, hein. D'habitude, il casse la guitare. Allez, c'est parti. Voilà, alors, sans transition, sorti aujourd'hui du nouvel album de Johnny, après avoir travaillé avec tous les numéro 1 du top 50, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman et cette fois Patrick Bruel, eh bien, Johnny est déjà en train d'enregistrer le prochain, écoutez. A que prout prout dans le ciel, a que prout prout dans la mer, a que prout prout partout, a que c'est bon la prout prouton. Ah que c'est du pur Baudelaire que vous m'avez écrit pour moi, monsieur Lagaffe. Oui, ça a l'air bien en effet, bravo Lagaffe. Oh ben non, je vais même pas chanter. Dis-moi, Bobby, as-tu atteint tes objectifs? Je veux péter les bénéfices. Usine fermée, tout le monde viré. On a tout délocalisé, lisé. Parfait, parfait, et toi, Billy? Y'a pas de soucis, aucun ennui. On a décuplé les profits. Ah bon, ah bon? Comment t'as fait pour les gnocouer? On a arrêté de les payer. Quel bonheur, oui, quel bonheur. Quand le matin, juste à 6h. Quel bonheur, oui, quel bonheur. Tu te lèves bosser, oui, mon ami. Pour la voix de compagnie. Parce que vous croyez que la voix de compagnie, ça ressemble à ça? Eh ben, gagner, c'est exactement ça. Sans transition, mairie de Paris, Xavier Tibéri l'a dit, son mari est un saint. Depuis, elle est prête à tout pour nous attendrir, regardez. Xav, t'es vraiment sûr? Mais oui! Allez, vas-y, mon Jean, mouline! Il avait pas de papa, il avait pas de maman. Il vivait dans le frimas, dormait aux quatre vents. Quand il avait trop faim, il mangeait un crouton, quelques miettes de pain qu'il volait aux pigeons. Il avait les gens du bonheur, mais sa vie c'était du malheur. Jean de Paris, Jean Tibéri, Jean de Paris, Jean Tibéri. Quand arriva Noël, en regardant les vitrines, il trouva ça cruel, l'avait pas commis de crime. Il s'allongea par terre, s'endormit comme un ange, dans le ventre, la misère et quelques plures d'orange. Il avait les dents des babères, mais sa vie c'était du malheur. Jean de Paris, Jean Tibéri, Jean de Paris, Jean Tibéri, Jean de Paris, Jean Tibéri, Jean de Paris, Jean Tibéri. C'est vrai, il a raison, Xav. Et tu verras, on finira par les faire chialer. Allez, viens, on va jouer sous les fenêtres du juge Alphen. Allez! La belle de Cadix a les yeux de...
Voilà, sans transition, faites de la musique. Tout le monde fait selon ses goûts ou ses moyens, regardez. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Alors, fête de la musique. Bah ouais quoi ? Mais si t'as pas de sens, t'as qu'à taper un dindon quoi ! On commence par les 10 ans de la mort de Charles Trenet. En hommage, Carla Bruni a repris son plus grand succès, Douce France, mais en italien. Pour votre plaisir, en exclusivité pour Canal+, le clip de Carla Bruni intitulé Dolce Francia. Dolce Francia, quel paese di Francia, mi ha curato di speranza, e ci ho preso nel mio cuore, la mia casa, che tranquilla. La già aspettavo ogni sera si insegnava senza l'ombra di un timore io ti amo e ti impendi questo bravo io ti amo nella gioia del dolore dolce Francia quel paese di Francia mi ha curato di speranza e ci ho preso nel mio cuore già aspettavo ogni sera si insegnava senza l'ombra di un timore io ti amo e ti impendi questo bravo io ti amo nella gioia del dolore. Oh, c'est la plus gentille chanson que j'ai gentiment entendue. Merci beaucoup. Mais ce n'est rien, c'est de la musique. C'est musical, ça fait de la musicalité. Et ça prend tout son sens avec le clip quand même, hein? Ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Qu'est-ce que ça m'énerve pas? Devant le siège du MEDEF, il y a tout plein de Mercedes. Moi j'arrive en Citroën, on me dit tu fais de la peine. Ça m'énerve pas. Non, ça m'énerve pas. À Bruxelles, je suis serein pour le traité européen. Face à Merkel, je suis tout seul. Ils sont bien foutus de ma gueule. Ça m'énerve pas. Mon Dieu, que ça m'énerve pas. J'appelle Jean-Marc Ayrault. Il me dit qu'on dépense trop. Je lui demande ce qu'il compte faire. Il me dit de gratter un millionnaire. Mais même ça, ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas.
ceux qui disent que j'ai pas la carrure de président. Le chômage qui progresse, la croissance qui descend. Les déficits qui explosent, tout le monde se fout de moi. Toutes celles qui disent que Valou, elle aime pas. Ça m'énerve pas tous ces banquiers qui me prennent pour un con. Tout ça pour voir s'envoler leurs actions. Mais bon, paraît qu'ils ont raison. Ça m'énerve pas. Tous ceux qui fuient en courant à l'étranger. Ça m'énerve pas. Pour oublier que les impôts, faut en payer. Ça ceux qui disent que je renie ce que j'avais promis. J'ai même entendu que Chirac faisait moins de conneries. Ça m'énerve pas. Après la comédie musicale Grease, l'histoire d'un amour d'été entre deux étudiants qui se poursuit après l'été, découvrez la nouvelle comédie musicale de la rentrée, Grease. C'était tellement romantique cet été avec ce garçon. Il a quel âge? 39. Oh, oh formidable! Génial. Allez, raconte! Oh, alors? C'était comment? Dis-nous. Ok, ok, ok. Vous voulez vraiment savoir tous les détails? Ah, oui, yeah, 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 yeah. Cet été, on s'est caché dans la villa d'un grand préfet avec une femme folle de moi. Avec un homme, même pas quadrat. Pas de photo, on voulait pas de Jupiter et de sa nana. Allez, 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 allez. 10 ans plus, 10 ans plus. Est-ce qu'elle t'appelle bébé? Oh, 10 ans plus, 10 ans plus. Est-ce qu'il t'appelle bébé? Tout, elle m'a formé. Je l'ai déniaisé, il a craqué. On s'adore, mais pas de bébé. Nous, ce qu'on veut, c'est juste kiffer. 10 ans, 10 ans, 10 ans plus. 10 ans plus, 10 ans plus. Est-ce qu'il a beaucoup de blé? 10 ans plus, 10 ans plus. Est-ce qu'elle aime la fessée? Et tous les journaux sont à ses pieds. Une belle baraque au Touquet. Ni son palais, c'est déguisé. On s'adore, mais pas de bébé. Nous, ce qu'on veut, c'est juste kiffer. 10 ans plus, 10 ans plus, bonne popularité. 10 ans plus, 10 ans plus, les sondages vont tomber. Ça va pas durer. Dans l'opinion, je vais dégringoler. On va devenir des pestiférés. Ça dure que 5 ans, faut en profiter. L'état grave ne dure qu'un été, mais on les aura tous Stromae, son univers. Tu aimes danser sur le thème de l'abandon familial. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
de la famine. Qui dit crise, tout dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Alors on danse. Alors on danse. De la dépression. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Alors désormais, fais directement appel à Stromae pour t'éclater lors de tes événements privés. Un licenciement à célébrer? Formidable. Formidable. Vous étiez formidable, c'était fort probable. Vous étiez formidable. Formidable. Une chimiothérapie. Où tes chevelures routées, où tes chevelures routées, où tes chevelures routées. Ou même une occasion exotique comme une lapidation. Alors on lance. Alors on lance. Alors on lance. Alors on lance. N'attends pas et appelle Stromae à ce numéro pour animer ta propre détresse partie. Allez, ciao, bonsoir.